Bonjour, je m'appelle Alex, je suis le frère d'Ali et aujourd'hui c'est à mon tour de faire une vidéo. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo, comme vous le savez. Ali m'a déjà présenté à un moment donné avec cette chose à savoir sur moi. Aujourd'hui je vous fais une vidéo à mon tour et ça va être sur les Lego Club. Et Lego Club c'est quoi? Tout d'abord c'est un magazine concerné sur les Lego. Les Lego, vous savez tout c'est quoi dans le magasin? Ceux qui aiment ça, ben regardez cette vidéo. Je vous en montre. Voici le nouveau catalogue. T'as des catalogues. Puis, des Lego Club. Puis t'as aussi les fameux Lego Life. Il est tout nouveau. Lego Club. Catalogue. Tout d'abord, catalogue, vous savez c'est quoi? Bon. Alors, je vous montre. Dans le fond, un catalogue. Si vous voulez vous abonner, vous allez sur le site Lego Club ou vous pouvez appeler par téléphone. C'est pratique. Puis, en fait, si vous voulez vous abonner aussi, c'est gratuit. Ça coûte pas d'argent. Fait que c'est le fun, ça. Moi, je suis abonné. Puis, c'est jusqu'à 11 ans et plus. Mamie, merde. Alors, excusez-moi là, pour ce petit retard. Bon, on reprend. Lego Life, catalogue, Lego. Reprenons les catalogues. Les catalogues, dans le fond, ça, je sais pas comment tout ma mère, elle m'a abonné là, pour ça. Mais en tout cas, je sais pas comment est votre mère. Dans le fond, les Lego Club, comme l'exemple. Celui-là, il commence avec un programme Star Wars. Il montre toutes les nouveautés, les prix, les ensembles. Comme exemple, l'évasion de Rantor. Ici, le prix est de 100$. On vous montre toutes sortes de trucs cool. Les nouveautés en avant-première. Comme vous voyez. Bien sûr, vous avez aussi les vieux, bien sûr. J'en ai des vieux aussi. Bref, c'est ça. Lego Club, voici. En voici un. J'en ai pris un exemple. J'en ai plein. J'en ai tout un tas. Vous voyez? Dans le fond, Lego Club, tu as des activités. Tu peux dessiner dedans, résoudre des labyrinthes. Tu peux écrire à un gars, un homme célèbre qui s'appelle Max. Ici, tu peux même apprendre des infos intéressantes. Tu as des BD, comme ici. Des activités, des labyrinthes, des mots cachés. Bref, c'est ça. Regardez encore un autre BD. Ça, c'est Next Night. C'est ça. Lego Life maintenant. Tout d'abord, il faut savoir que Lego Life, ça n'existe pas. Ça ne fait même pas un an. En voici un exemple. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, ça a remplacé Lego Club. Puis Lego Club, ça n'existe plus dans le fond. Fait que Lego Club, c'est rendu Lego Life. En voici un exemple. Ça, c'est le petit frère à mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, Jules. C'est son petit frère, Emile, qui me l'a donné. Gratuitement. Voici. Regardez-le, comme celui-là, il parle du nouveau film Lego Ninjago. Il sort le 22 septembre, je crois. Regardez, Lego Life, c'est une application maintenant où tu peux partager. C'est comme dans le fond un Facebook Lego. Bref, t'as encore des BD, toutes sortes d'affaires, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est. T'as aussi encore des jeux, des trucs à résoudre, des énigmes. Toutes sortes d'affaires. Enfin, voulez-vous que je vous en montre un vieux? Oui? Je vais vous montrer un de mes premiers Lego. Si je... Oh, j'ai oublié. Tandis que j'y suis, je vais vous montrer un Lego Junior. Un Lego Junior, il faut savoir que c'est pas la même chose que Lego. Pourquoi ça dit c'est Junior? Fait que c'est les Juniors. C'est pour Junior, c'est-à-dire pour les petits-enfants. En voici un. Lego Junior. Ça, c'est plus pour les petits, genre de 6 ans. Oui, j'en ai, mais c'est pas grave. Ça dérange quiconque. De toute façon, c'est des Lego. T'as encore des BD, des énigmes. Toutes sortes d'affaires résoudre. En voici une BD. T'as toutes sortes d'affaires drôles. T'as du coloriage. Lego Mixer. La Virène, Lego Ninjago.
Puis dans Lego Club, t'as tout un mur de défense. Si, par exemple, si tu construis un affaire, une construction, elle peut être affichée là-dessus. Il faut bien sûr que tu l'envoies par email, tout ça. Puis en fait, t'as tout à des petites constructions. Fait que c'est ça. Voici un de mes premiers Lego Club. Oui, il était déchiré tout, là. Mais bon, c'est un vieux. Voici une BD. C'est la couverture. Bref, c'est ça. Alors, c'est ça. Merci de m'avoir écouté. Mettez des likes. Mettez des j'aime. Regardez tout le temps ma chaîne YouTube. Regardez ma soeur aussi. Je vais en faire une autre très bientôt. Alors, au revoir.